mesdames et messieurs, on se trouve avec émotion que nous nous retrouvons ici. J'espère que vous avez apprécié quand même que nous pensons à la mairie de Bordeaux et à vos agapes, nous avons peut-être participé. Donc nous sommes tous réunis aujourd'hui, en ce jour du 31, dernier jour de ces vœux, pour vous montrer l'attachement de nos confréries à cette maison, la mairie de Bordeaux. C'est aussi une occasion de plus de vous montrer le besoin de travailler ensemble pour notre région, sa viticulture, ses vins et cette vie exceptionnelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Monsieur le maire, cher ami, au nom du Grand Conseil du vin de Bordeaux, de tous les membres de notre profession, tout particulièrement ceux présents ici, avec les bannières, les différentes confréries vineuses, nous vous présentons tous nos vœux de santé, de bonheur pour vous et pour votre famille. Mais nous adressons également, bien sûr, tous nos voeux sincères au maire, au conseil municipal et au autre personnel de la mairie. Comme le veut la tradition, les 13 confréries fédérées par le Grand Conseil du vin de Bordeaux, représentant une soixantaine d'appellations bordelaises, sont très heureuses d'offrir à la municipalité de Bordeaux une sélection de leur production. Je laisse à Madame Escurello, qui est ici avec moi, toutes les bannières qui sont ici présentes. Donc, vous ayez attention pour vous rendre hommage. Alors. La Jura de Bessin-Emilio. La commanderie du Bontemps, Médoc, Rame, Sauterne et Barsac. Bravo, je peux. La commanderie du Bontemps de Sainte-Croix-du-Mont. Les hospitaliers de Pomerol. Les baillis de Lalande de Pomerol. La connétablie Blaye Côte de Bordeaux. L'Ordre des Chevaliers des Vins de Castillon, Côte de Bordeaux. L'Ordre des Vignerons des Bordeaux et Bordeaux supérieurs. Et les Compagnons du Bordeaux. Dans les mois qui viennent. Nous avons tous ici conscience des difficultés profondes rencontrées pour nos vins au temps de la procédure de production par la commercialisation. Et je vois que je me répète, les raisons ne sont pas que la production ou la vente. Nous sommes face à des transformations majeures et à une concurrence mondiale. Une raison de plus pour que le Grand Conseil du vin de Bordeaux mette à contribution avec l'aide des confréries son réseau de commanderies dans le vin. Nous avons une marque à Bordeaux, comme vous l'avez dit également, c'est bien le nom de notre ville, Bordeaux. Ce même nom se retrouve sur toutes nos étiquettes, peu importe les AOP, c'est une force implantée par les différents acteurs au fil des siècles. Le Grand Conseil du vin de Bordeaux fédère tout cela au mieux par ses implantations auprès d'amateurs disposés à contribuer au rayonnement de nos vins. Nous vous demandons de nous solliciter pour tous les événements. Nous devons contribuer à la visibilité de cette marque pour nos vins, pour les viticultrices et les viticulteurs qui vivent une passion et une transmission familiale. Nous sommes au service. Le Grand Conseil du vin de Bordeaux, c'est en 2023, vous l'avez dit, 96 commanderies du vin de Bordeaux dans le monde, c'est plus de 4300 porte-parole pour nos vins dans des réseaux complémentaires du négoce et des autres instances. Nous devrions ouvrir en 2024 Prague et Limoges. Notre ville, votre ville, a des jumelages avec les villes où nos commanderies sont représentées. Je pense que c'est important de le dire pour les mettre à contribution également. Donc je cite, si je me trompe, vous me corrigerez bien, Bristol, jumelé avec la ville de Bordeaux de 1947, aussi celle où nous avons une commanderie active,
Fukuoka, Lima en 1956, j'ai une bêtise là, je me suis trompé, ah si, non, jumelé, pardon, oui, non, jumelé avec Bordeaux depuis 1956, Munich depuis 1964, Los Angeles 64 également, Fukuoka, que je répète, je vais inverser décidément, c'est là. C'est peut-être pas assez demain, je ne vois pas sans alcool. Mais Fukuoka 82, Madrid 1984, Wuhan en Chine 1998. Nous avions aussi des commanderies à Riga, à Saint-Pétersbourg et Bilbao, mais qui ont pu s'arrêter malheureusement. Nous devons partager, fédérer les moyens pour le rayonnement de nos vins et de cette marque unique. Nous sommes dans une concurrence mondiale, je l'ai déjà dit. Le premier cru classé 1855 sera toujours à Bordeaux dans son terroir, son histoire. Les 90% autres vins sont dans cette concurrence. Monsieur le maire, pour vos équipes, vous êtes chaleureusement invité au Congrès mondial des maîtres des 96 commandes dans le monde des 12 et 13 septembre 2024. Nos commis ont le programme en temps et en heure et nous ne manquerons pas de solliciter vos équipes. Le Grand Conseil du Grand Bordeaux est à votre époque et coûte pour jouer et pour gagner. L'embellissement de la ville au fil des mandatures, sa dynamique, son rayonnement dans le monde en mettant en avant ses atouts par rapport à d'autres villes du Rhin, ne pourront que participer au succès provincial de chacun ici. Nous vous remercions pour ce travail et s'inscrit en même temps comme nous l'ignorons. Vous connaissez les atouts de notre région. J'ajouterai la biodiversité, l'unicité d'autres, à laquelle la viticulture contribue grandement. Nous vous renouvelons tous nos voeux pour cette nouvelle année, donc mes sincères amitiés. Et je demanderai ce que tout le monde quand même dise, je le prends l'admotif du Grand Conseil du Vin de Bordeaux. Vous répéterez avec moi bien haut et fort, Bordeaux, toujours Bordeaux. N'est-ce pas ? Monsieur le maire, je vous écoute. Bordeaux, toujours Bordeaux. Bon, bravo. Voilà, merci.